La méditation de ce 22 mai est intitulée « Des signes dans le ciel ». Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2,31. Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants, les 1260 années de la persécution papale, persécution qu'il déclare devoir être abrégée. Puis il mentionne en ces termes certains événements qui devaient précéder sa venue, en précisant comme suit le temps de l'apparition du premier de ces signes. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Marc 13,24. Les 1260 jours ou années prirent fin en 1798. Les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie s'est accomplie le 19 mai 1780. À peu près unique parmi les phénomènes de ce genre est l'événement mystérieux, inexpliqué jusqu'à ce jour, connu sous le nom de jour obscur du 19 mai 1780, que fut l'obscurcissement de tout le ciel visible et de l'atmosphère de la Nouvelle-Angleterre. Aux ténèbres intenses de ce jour succéda une heure ou deux avant le coucher du soleil un ciel partiellement clair et le soleil brilla au travers d'un épais brouillard. Après le coucher du soleil, le ciel se couvrit de nouveau et les ténèbres devinrent rapidement très denses. Les ténèbres de cette nuit ne furent pas moins extraordinaires et terrifiantes que la journée. Bien que la lune fût presque dans son plein, on ne pouvait rien distinguer sans la lumière artificielle qui, vue de près ou de loin, semblait barbouillée de ténèbres à peu près opaques. Thomas, Massachusetts Spy, or American Oracle of Liberty, volume 10, numéro 472, du 25 mai 1780. La description de cet événement, faite par des témoins oculaires, n'est qu'un écho de la parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël, 25 siècles à l'avance. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. Tragédie des siècles d'Ellen White. Page 330 à 332.